Ben, salutations les amis, j'avais parlé dans un live qu'elle venait de terminer. J'avais parlé donc de cette couronne, de ce virus avec la couronne, un masque et une picouse à côté. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était que la couronne. Ben, la couronne, c'est Corona. Voilà, Corona, c'est encore une incantation satanique. J'en avais parlé dans un live, vous avez dit allez voir sur ma page Facebook. Et effectivement, ben, la vidéo, ben, voilà, elle a tourné un peu, elle a fait 32 000 vues, mais maintenant elle est plus partageable apparemment. Moi, je l'avais partagée quand je l'ai eue. Et là, il est plus partageable. Donc, c'était donc un espèce de rituel, Aïe, aïe, aïe! un rituel satanique. La couronne. Regardez la propagande qu'ils sont en train de faire. Ils installent ça normal à côté d'un parc, normal. Alors, regardez, on a la place Masséna, voilà, vous avez la grande roue, machin, tout ça. Alors, déjà, les amis, moi, je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps. J'étais en week-end, ce week-end, j'étais pas là. Regardez bien le damier au sol, les amis. Regardez bien le damier au sol. La couronne! Mais Alors là, c'est ça bien. touche la psychologie des enfants avec ça. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, je connais très pas l'image de Regardez la propagande qu'ils sont en train de faire. Place Ils Masséna à installent Nice. ça normal à côté d'un parc, normal. Alors, regardez, on a la place Vous voyez? Masséna, voilà, vous avez la grande roue. Vous voyez ce damier, vous voyez ce damier? Tout ça c'est fait exprès, les amis. Chez Estrosi, on a le droit de mettre on a le droit d'installer un virus qui coûte 10 000 euros avec les agents de sécu, les monteurs, les techniciens. Il faut réquisitionner la place pour mettre cette espèce de grosse merde derrière la roue, bien sûr. Hein, la roue aussi est un symbole aussi pharaonique, franc-maçonnique. Et comme par hasard, les amis, on a le damier franc-maçon en plus. Donc moi j'avais partagé cette vidéo au tout début, j'en avais même parlé dans un de mes lives sur YouTube où j'ai plus de monde, hein, on était 600 ou 700. Et la vidéo, elle a fait 32 000 vues chez elle. Maintenant, elle est plus partageable maintenant. Voilà. Donc comment agit Facebook? Dès que la vidéo elle monte un peu, hop, on évite de partager. Pourtant, elle a rien dit, elle a juste parlé avec les agents de sécu. Elle a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes content avec la merde qu'ils nous ont foutu avec cette mascarade? On est obligé de se museler. Les enfants souffrent, tout le monde souffre. Les vieux, ils se prennent des vaccins, ils meurent. Et vous êtes content de mettre ça? Et t'as les vieux agents de sécu et les monteurs qui disent nous, on travaille, on est là juste pour travailler. Fermez-la, allez-vous-en. Voilà. Tout ça. Et là, vous avez le virus de la peur. Voilà. Mais sinon, ils n'ont pas honte d'installer. C'est exactement ça, en fait, c'est le virus de la peur. En fait, c'est la peur qu'ils veulent vous inoculer, les amis. Et je voulais faire cette vidéo, mais je n'avais pas le temps. J'en ai parlé encore une fois, je le répète, j'en ai parlé dans un de mes lives quand elle l'a balancé. Je l'ai partagé sur ma page. Sans doute que les gens sont allés voir sur ma page parce que je partage plus beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai plus le temps d'être sur Facebook et partout en même temps. Et en même temps, j'étais pas là. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Allez voir cette vidéo, je vous invite. Elle est encore sur ma page. On peut plus la partager maintenant. Allez ça ou c'est comment? Non? Ouais, lui. Maintenant, regardez les amis. C'est bon, voilà. Regardez la cérémonie qu'ils font. Rituel satanique. Place Masséna, pendant que les esclaves consentants ont consenti à ce que finit masqué. Regardez-moi ça, les amis. Ils sont en train de brûler l'effigie de la peur de l'association avec de la musique, avec des chants rituels, avec la pollution qui va avec, les amis. Hein. À Nice, il y a beaucoup de sionistes et de racistes. On s'indigne plus sur les musulmans, mais quand il se passe des choses comme ça, personne ne dit rien. Ça vient chanter devant les vieux qui habitent à Nice, ils viennent chanter devant ce genre de situation, des rituels sataniques franc-maçonniques. Regardez-moi ça. Tout ce plastique qui brûle. Et le mec dit que c'est fabuleux, ben putain, une belle cérémonie sataniste déguisée encore, ça veut tout dire. Il ne se cache même plus. Bon, attendez, je vais répondre. C'est quoi ce bordel? Eh ben, vous n'avez pas fini d'en savoir sur ces sataniques. Ben, je suis content d'habiter dans le 64. Il aurait dû en faire une pinata. Ça me révolte. La population de Nice, ils attendent quoi? De le faire sauter. La population de Nice, les vieux racistes, ils en ont qu'après l'islam. C'est tout ce qu'ils en ont après. Voilà.
Ils sont là pour insulter une femme voilée qui est venue se recueillir parce que sa mère était morte dans cet attentat fomenté où le camion ne devait pas rentrer à Nice, où dans le vieux Nice, un 38 tonnes est interdit de rentrer, surtout un jour férié, où il y avait des barrières de flics dans tous les sens. Mais on a eu des journalistes israéliens qui ont filmé la scène. Et le mec qui était au volant du camion en 2016, qui a foncé sur la promenade de Nice, il n'y avait aucun impact de balle au niveau du volant. Et les deux personnes qui étaient dans le camion étaient habillées avec des habits bleu marine comme des flics. Et comme par hasard, il y avait des agents israéliens, des soi-disant photographes qui sont là dans tous les attentats. Ils sont toujours sur place. Et comme par hasard, Estrosi, qui est un gros sioniste, voilà, il a laissé passer le camion alors qu'il y avait plein de barrières. C'était le 14 juillet, il y avait un carnaval, enfin, il y avait je sais pas quoi. Ils sont tout plein de carnaval satanique et de rituels, de sacrifices, de rituels sacrificiels franc-maçonniques. Parce que Estrosi, il a même pas son bac, les amis. Hein. Estrosi, c'est un motard, il a même pas son bac, c'est un espèce de beauf. Et Sarkozy, il l'a fait monter parce qu'il lui a dit, tiens, tu feras partie du menu fretin des francs-macs de base et tu monteras un peu dans la politique. Tout comme Christian Jacob et compagnie là, tous les LR là, comme Guillaume Pelletier qui défend Sarkozy. Le pauvre, c'est un homme d'État, il ne faut pas entacher, hein, faut pas mettre un homme d'État en prison. Il mérite 20 ans de prison, Karachi, les écoutes téléphoniques, les magouilles, les vols, Clearstream. Je sais pas quoi, toutes les affaires qui nous ont fait tourner en bourrique, Mediapart et compagnie, il est jamais allé en prison. Lui, Hortefeux, Guéant, Ziad Takieddine, les porteurs de valises, des milliards que Kadhafi l'a donné, quand Kadhafi a mis sa tente à l'Elysée, quand Bachar el-Assad il a fait le 14 juillet à l'Elysée, Sarkozy les a reçus et après il vient les bombarder. Ça, c'est ce qu'on appelle un traître. C'est ce qu'on appelle un traître. Et toute la bande de Sarkozy, Estrosi et toute cette crasse, toute cette raclure sont des traîtres. Et la pauvre camée de Carla Bruni qui vient chanter avec sa voix d'héroïno girl, elle ne vaut pas plus. Ils ne valent rien, ces gens-là. Ils ne valent rien. Et ils savent que leur temps va venir. Voilà. Allez, paix, salutations, les amis. Regardez bien les damiers, les amis. Hein. C'est brûlé sur les damiers. Tout ça, c'est des rituels franc-maçonniques. Moi, j'ai appris ça des Américains il y a maintenant 20 ans, tout de ça. Avec Fly, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Fly, je me rappelle plus de son nom, bref. La symbolique. Regardez bien les damiers. La place Masséna est pleine de damiers. C'est un damier franc-maçonnique, tout ça. Hein. Allez, paix, salutations, les amis.